I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour, bonsoir, mon nom est Johnny D, je suis avec mon partner, a.k.a. Nastrada Ben. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien, et toi? Yes, ça va super bien, super bien. Chers auditeurs, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast. Une fois de plus, on a un invité spécial avec nous. Il est beau, il est fin, j'ai de la misère à trouver des défauts. Peut-être un défaut, c'est qu'il est fou dans le ring. Mais il est avec nous, j'ai nommé Sexy Eddie. Comment ça va, Eddie? Yes, ça va super bien, là. Est-ce qu'on coupe ma tête? Est-ce que je suis correct? Non, c'est correct. Yeah! Ah, là, t'es rendu sexy, ça, super. Parfait. Je voulais pas que les femmes, je pense que je suis chauve, là. Je suis pas là dans le coin, là, mais je voulais juste... J'ai tous mes cheveux encore. J'ai pas toute la tête, mais j'ai tous mes cheveux. Ouais, c'est déjà pas pire, c'est déjà pas pire. Super. Hey, Eddie, ça fait... Je pense que ça fait back in the days, presque 20 ans qu'on se connaît. Honnêtement, c'est capoté. Puis depuis tout ce temps-là, je te vois lutter à toutes les fins de semaine aux États-Unis, en Angleterre, au Mexique, partout. C'est vraiment super cool. Puis en plus de ça, récemment, tu t'impliques dans la communauté là, avec des sauces là, qu'on va pouvoir discuter ensemble tantôt. Oh yeah. Yes, est-ce que tu veux starter le bal, mon Ben? Ouais, pas de trouble. Yes. Ben, c'est ça, Eddie. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre une carrière de lutteur? T'avais-tu un idole de jeunesse dans la lutte? On a toujours. Qu'est-ce qui m'a fait commencer? Je pense que j'ai tombé du lit trop de fois en faisant de la lutte. Et j'ai frappé ma tête tellement de fois que je m'ai convaincu, hey, je peux être lutteur. Sur ça, c'était comme ça, je pense, le début. Mais ouais, des idoles, quand on regarde la lutte, là, tout le monde est plus grand et plus gros quand on les voit. Et même quand on est petit, là, c'est ça. Tu vas à l'aréna, tu vas à un stade et ils ont l'air tous des colosses. Mais quand tu retournes dans le passé, des fois, comme on pense quand on était kid, quand on était enfant, tout a de l'air plus gros. Tout a l'air plus impressionnant. Ouais, vraiment. Peut-être que c'était cette image-là aussi que j'étais comme, waouh, les lumières, les feux d'artifice, les personnages, c'était tout écœurant. M'avait tiré dans ce sport, dans cette passion. Mais en particulier, je dois dire, Shawn Michaels, il y avait quelque chose, comme tout le monde va le dire. Ouais. Il y avait un peu de tout avec le charisme, mais aussi, c'était un petit... dans un monde de géants. Oui, exactement. Et moi, je me regardais, j'ai dit, ben, j'ai pas la grandeur d'un Big John Studd, d'un Bam Bam Bigelow ou rien. Alors, mais j'ai quand même, peut-être je vais avoir la grandeur de Shawn Michaels. Alors, ça, c'était une des plus grosses raisons que j'ai suivi lui comme exemple. Je l'ai trouvé très inspirant. Et même dans tous ces matchs qu'il a fait, je trouve qu'il a fait paraître les géants. Les meilleurs matchs qu'il y a, tous les matchs avec les géants, je parle de Diesel, que Kevin Nash, avec Sid Justice, avec tous ces gars-là, Kane ou n'importe qui, il les faisait paraître encore mieux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis moi, je me souviens, dans le fond, on a commencé la lutte pratiquement en même temps, là, dans les mêmes années. Puis je me souviens, tu sais, ça m'avait tellement marqué parce que la première fois que j'ai vu Eddie, tu sais, Eddie, c'était un casse-cou, là, puis moi, je me souviens, il avait monté sur le troisième câble, puis il avait fait un backflip, puis on était comme, mais c'est quoi cet énergumène-là? C'est quoi ce phénomène-là? Tu sais, moi, ça m'avait marqué, là. Il faisait émouvoir Rob Van Damme. Ouais, je le sais, il était complètement, là, j'étais là, wow, mais où est-ce qu'ils ont déniché ce gars-là, tu sais? Puis, dans le fond, on voulait savoir,
avec quelle organisation as-tu débuté ta carrière? Parce que je sais que nous, on s'est connus dans le temps de la NCW, puis à cette époque-là, tu t'appelais pas Sexy Eddie, tu t'appelais Eddie Super Kala, je sais pas trop là. Ça vient du film Mary Poppins. Yeah, c'est ça. Alors, c'est le mot magique qu'elle disait. Moi, j'ai dit, je veux faire quelque chose plus pour les enfants parce que c'est ça. Déjà, j'ai commencé à la NCW, mais déjà à NCW Québec, il y avait Mark Mail. À la NCW à Montréal, il y avait Steven the Sweet Boy. Ouais, donc, on n'a pas besoin d'un autre qui fait le sexy. So, en même temps que je commençais et je m'entraînais et j'apprivoisais la lutte à la NCW, on commençait le IWS en même temps, dans des petits bars, dans des choses comme ça. Et, mais parce que moi, j'aimais aussi le côté de hardcore. J'aimais des matchs avec des chaises, des tables, mais aussi qu'on les utilise intelligemment. Pas ouais. juste taper la tête. Alors, ça aussi en particulier, j'avais une attirance de ça. Parce que, comme tu dis, j'étais casse-cou. J'aimais ça, j'aimais donner l'impression aux fans comme « Oh my God, il est fini, mais il y a encore un peu de vie, il y a encore un peu d'énergie, il peut se battre encore. » Alors, avec des armes, je pouvais monter ça encore d'un niveau plus avec la sympathie qu'on prend des fans. Et après ça, avec les applaudissements qui nous redonnent l'énergie. Ben oui. J'adore tout cet aspect de la lutte. Parce que comme tout le monde va dire, et des fois on parle moins de ça, les fans et le ref, c'est deux autres joueurs dans le ring que des fois on compte, oh, y a un lutteur contre un autre lutteur. Oui, mais l'arbitre fait aussi une job très importante et les fans font une job très importante. Je te dis même les shows qu'il n'y avait presque pas de fans, l'énergie est moins, ça nous donne moins de... Ah, t'es moins motivé, oui. T'es moins motivé et là, ah, tu sais quoi, sauter de la troisième corde à l'extérieur, je pense que je vais juste sauter de la deux à l'intérieur pour ça. Ah, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je veux pas... Pourquoi ça je laisse... Ça amène une adrénaline, tu sais. Reculons juste, il y a 2 ans, on était en contexte de pandémie, puis la WWE ont décidé de faire leur show sans... le Thunderdome, là. Ouais, ben c'est ça, mais sans fans, puis tout ça, mais tu sais, ça avait... Tu sais, il n'y avait pas le même hype, la qualité du spectacle n'était pas la même. Fait que, tu sais, si on peut faire un truc connexe à ce que tu dis, c'est exactement ça, dans le fond. Les lutteurs étaient tous twinners, d'une certaine manière, hein. Mais, t'avais pas vraiment de heel, t'avais pas vraiment de face. Là. Ceux qui sont donnés aussi, je veux dire, parce qu'il y avait le même chèque de paye aussi. On va se parler, la lutte indépendante, des fois, s'il y a beaucoup moins de monde, il y a des places qui vont dire « Hey, il n'y avait pas tant de monde, je ne peux pas payer tout le monde que j'ai promis. » À WWE, ils ont les commanditaires, ils ont tout. Alors, ouais, avec une foule, fashion. Ça donne plus d'énergie, mais sans la foule, il y avait quand même leur grosse paye. Exact, exact. Ça, ça motive aussi. Oh, si tu mets des lutteurs des grosses payes, je te dis, même avec zéro personne, même si tu es dans un cours d'école, là, ils vont faire des matchs. C'est sûr. Oui, mon cher Eddie, en dehors de la lutte professionnelle que tu pratiques depuis plus d'une vingtaine d'années, as-tu un sport préféré à part la lutte? Le sexe, ça compte comme un sport, ça. c'est bon pour le cardio, c'est bon pour le cardio. Oui, c'est ça. Il y a du cardio. Des fois, il y a comme tu fais un marathon. Des fois, c'est plus un sprint. Ça dépend. Alors, moi, je vais dire le sexe. Yes. Le sexe, ça. Si je peux ajouter à ça, je vais ouvrir une porte. Parce que tu parles de marathon. Puis, tu sais, on se parle de sexe aussi. Oui, c'est ça. Puis, je te vois régulièrement faire des Spartan Race, puis des X-Men Race, ces choses-là. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il s'habille en lutteur. Si, il s'habille en lutteur. Ouais, je vais faire c'est capoté. On a entendu parler, ouais. Ouais, fait que j'imagine que tu gardes tout le temps une condition physique. Puis tu sais, pour faire des Spartan Race, il faut que tu sois comme vraiment sur la coche. Là, ça, ça fait quand même une couple d'années avec la pandémie, ça a coupé tout. Alors, ouais. Ça a même coupé les courses et des fois, ça coupe un peu de motivation. Mais je te dis, quand j'étais dans un down de la lutte, c'était juste des fois, tout tombe en même temps. Des fois, changement de job, changement de blonde. Des fois, les fins de semaine ne matchent pas ou tu es promis des choses dans la lutte, des voyages et des choses qui annulent à cause des raisons X, Y, Z. Alors, j'avais pris un down.
ça m'a comme retrouvé une énergie pour me motiver, pour me mettre plus en forme aussi. Et j'ai trouvé d'autres personnes. Quand n'importe quel domaine que tu fais, lutte, des courses ou n'importe quoi, quand tu es entouré de monde passionné à ce qu'ils font, ça nous encourage aussi. Ah, c'est sûr. Comme des fois, quelqu'un rentre à la job, il commence à chialer, ça s'éparpille. Tout le monde va devenir chialeux. Mais le reverse, quand tout le monde est de bonne humeur, dans un bon entourage, on est bien entouré du monde joyal et tout, et comme tout le monde est bon, bonne humeur, ça fait repartir la bonne humeur. Alors, c'est ça que j'avais vu dans les courses. Et en faisant ça, je me mettais plus en forme. En faisant ça, j'ai rencontré d'autres filles. En faisant ça, j'ai fait mon sport préféré, le sexe. Alors, ça a tout à donner. Toutes les constellations, les étoiles étaient toutes alignées. Alors, et ça m'a aidé à me remettre dans la lutte et comme retrouver ma passion. Et encore, on a tous des bas avec des fois, c'est des blessures aussi. Ça, c'est des erreurs d'être dans n'importe quel sport sans blessure. Mais ça, ça va démotiver. Et avec une pandémie qui coupe toute la lutte, sauf ceux à la télévision, c'était dur. Mais pour ceux qui sont encore là, je trouve on se dit, hey, on prend pas de chance, là. On va continuer ça parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver le lendemain, dans une semaine, dans un mois. C'est ça. On a continué avec nos passions. Et c'est ça. Les courses aussi, ça m'a aidé. Mais n'importe qu'est-ce qu'on fait physique, moi, je dis au monde, fais ta passion. Ça t'aide à vivre. Ça te donne une raison de vivre aussi. On n'a pas juste l'école ou notre job 5 à 7 de lundi à vendredi. Tu as besoin de trouver quelque chose. Des fois, ça peut être la famille, ça peut être la musique, ça peut être les arts. N'importe comment pour se défouler et pour être content pour arriver à la prochaine journée et la prochaine semaine et continuer. C'est ça qu'on a besoin, que tout le monde a besoin maintenant. Exact, tu l'auras jamais aussi bien dit. On parlait de sport juste avant. Dans le fond, ma question était la suivante. On parlait, dans le fond, je voulais savoir, es-tu toujours actif au sein des Alouettes de Montréal? Oh, je pensais, je suis toujours actif avec des seins. Oui. Oui. Toutes les lettres, je les adore. Ouais. Non, les Alouettes, non, ça fait longtemps, mais quand même, c'est ça que le monde se souvient beaucoup de moi aussi. J'étais la seule mascotte. Dans ce temps-là, je ne sais pas si c'est arrivé encore depuis ce temps-là, je suis le seul mascotte dans la Ligue nationale canadienne de football d'avoir une pénalité. Alors, j'avais juste accroché un ref, juste en disant, j'ai eu son message, comme, mais lui, il l'a pris comme manque de respect. Si tu m'aurais donné une pénalité pour manque de respect, j'aurais su ça, j'aurais donné une claque dans la face. Mais anyway. J'avais de manque de respect, alors je suis dans le livre, les livres pour les saisons et tout ça. Pour ça. Mais ça fait quand même longtemps que j'ai accroché, j'ai accroché mes bottes, mais c'est des grosses bottes. C'est des gros comme ça quand tu fais l'oiseau touché ou blitz. Et c'était encore une autre partie de ma vie que j'adore et que j'ai eu beaucoup de fun. Et en faisant la lutte, ça m'a beaucoup aidé à faire une mascotte parce que les mouvements, tout est exagéré. Tu n'as pas de voix, mais tu dois tout exagérer. Alors, comme en la lutte, des fois, ils vont dire « Hey, tu dois te souvenir quand Marc Le Grizzly, même quand il nous entraînait comment donner des coups de poing, il était comme « Ok, tu retires de loin, tu retires de le plus loin possible pour revenir, ça a plus d'exagération, ça a plus d'impact, ça a plus... » Alors, j'ai mis ça aussi dans le monde de mascotte. « Hey, tu as du monde qui sont vraiment haut dans les stands, là. » Alors, on doit exagérer nos motions pour que tout le monde se lève, pour que la vague suit le stade, pour que tout le monde est engagé. Alors, une mascotte avec des petits mouvements, là, c'est pas assez. Non, c'est vraiment besoin. Pas. Pump it up, pump it up, comme la lutte. Like, you know, Hulk Hogan ou n'importe qui. Pump it up. C'est bon parce qu'on peut tout avoir et relatif. Avec la lutte, dans beaucoup de choses dans le monde, on peut faire des coïncidences que hey, ça aussi c'est comme ça, ça aussi c'est comme ça. Alors, en apprenant de la lutte m'a aussi aidé à apprendre d'autres choses. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. T'es connexe.
Ouais. C'est cool. Puis, durant ta carrière, est-ce que tu as eu la chance d'affronter certaines légendes de la lutte, soit des années 80-90? Si oui, peux-tu nous en parler un peu? Oui, ça, c'était mes meilleurs moments. J'ai lutté contre Honky Tonk Man plusieurs fois. Ouais. Et lutté contre Lanny Poffo, le frère de Macho Man. C'était The Genius dans le temps. Oui. Et j'ai eu vraiment beaucoup de fun avec lui. Hacksaw Jim Duggan. Ça, c'était les Brutus Beefcake. Ça, c'était des plus vieux. Après ça, dans, je veux dire, 10 ans plus tard, comme les lutteurs qu'on connaît après ça, c'était comme Chris Masters, qui d'autre. Quand même, j'en ai beaucoup à nommer, même, et tu vas plus récent, presque tout le monde qui est à Impact, la moitié du roster à AEW. Ouais, j'ai eu la chance de lutter contre beaucoup, beaucoup de personnes et c'est ça qui aide tout le monde à devenir meilleur, d'apprendre un peu et tout. Parce que, je veux dire à tout le monde, si tu restes dans le même coin, toujours tu vas rester avec les mêmes connaissances, mais une fois que tu promènes, t'apprends beaucoup. T'apprends beaucoup de le monde de la lutte et tu t'apprends beaucoup de toi-même, je trouve, comment t'améliorer et tout. Des fois, on doit sortir de notre zone de confort pour être capable de s'améliorer. Et c'est ça que ça prend. Alors, je suis vraiment content aussi, en parlant de ça, de plusieurs lutteurs qui vont se promener, qui vont au Mexique, qui vont en Espagne maintenant. Yane Harrison est là, et Brad Alexis. Alors, ils se promènent, ils sortent de leur zone de confort. Et c'est ça qui prend, qu'on a besoin de faire pour s'améliorer. Et c'est vraiment cool pour eux. Et j'espère que tout le monde qui a la chance, qui a une chance d'aller quelque part d'autre, juste à vivre de nouvelles émotions et tout ça, et d'apprendre. Et même quand tu reviens à Québec, aide les autres aussi. Montre ce que toi, tu as appris. Ça va juste améliorer pour la lutte au Québec. Tout à fait. On parlait, dans le fond, que tu avais voyagé pas mal pendant ta carrière de lutteur. Quel a été ton voyage le plus mémorable en tant que lutteur? Oui, ça, c'est facile. Mon troisième voyage au Japon, c'est une des meilleures parce que déjà, je connaissais le monde. Et tout. Mon premier, j'ai essayé de tout faire parce que j'étais comme, ça peut être la première, à tous les lutteurs, peut-être tu vas arriver quelque part, mais ça peut être la dernière avec blessure ou n'importe quoi. Mmh. Ça peut être la dernière fois que tu visites ce pays-là. Alors, essaye de faire un peu de devoir et faire tout ce que tu veux faire dans ce pays-là, de manger la bouffe, de visiter des musées ou des sites historiques, de baiser les femmes dans ce pays, de montrer des nouvelles techniques, des nouvelles choses, de Kamasutra que je peux te dire, ça va t'ouvrir tes yeux. Alors, essaye plus que tu possible de tout faire sans te mettre en prison. Attention, il y a des pays qui vont te couper un doigt si tu couches avec leur femme, des choses comme ça. Alors, fais vraiment attention, OK, tout le monde? Couper d'autres choses. Oui, exactement. Moi, j'ai encore mes 10 doigts. Alors, et moi, je compte à 11 quand. Ouais, alors, c'est ça. Profite le plus possible dans un nouveau pays parce qu'on peut prendre pour acquis. La première fois que j'étais en Allemagne, moi, je pensais, j'avais pissé du sang de mon bras, j'avais bu mon sang aux États-Unis et c'est ça qui m'a fait aller viral sur l'Internet. Et après ça, j'avais plein d'appels, tout le monde m'appelait et demandait pour me booker. Et là, dans ma tête, j'ai dit, ma vie est faite, c'est ça ma carrière. Alors, j'ai pris pour acquis que j'irais à toutes ces places souvent. Mais après ça, un mois plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose dans la lutte et qui fait quelque chose de fou. Et là, tout le monde veut lui et oublie et tasse de côté. Alors, pour un bon lutteur, il a besoin de toujours se évoluer, toujours se renouveler. Parce que tu ne peux pas juste faire tes vieilles choses à chaque fois. Parce que sinon, là, le monde, et avec l'Internet, là, le monde, s'il voit ton match dans un pays... Et là, ils voient le même match dans un autre pays, le même match dans un autre pays, comme dans le temps des territoires. Ouais. Les gars, ils peuvent te parler comme Paul Le Duc quand il luttait Chief J. Strongbow ou quelqu'un, et il luttait 300 fois de l'année. Ils pouvaient faire le même match parce que c'était toujours des différents territoires. Et après ça, OK, tu changes un petit peu. Mais là, avec l'Internet, tu fais un match et après ça, le monde a accès à ça. Alors, tu as besoin de te changer. Tu ne peux pas toujours faire les mêmes choses. Alors, moi, c'est un des conseils que je dis souvent. Moi, j'adore lutter avec des
contre des gars avec des bons personnages. Pas juste des lutteurs techniques, mais avec des personnages, alors je peux m'ajuster toujours comme « Ah, oh, OK, lui, il aime faire ça. OK, parfait. Ah, lui, c'est un dégoûtant. OK, ah, lui, il aime pas les femmes. Ou il adore les femmes plus que moi. Ah, ben ça va être un concours qu'on va faire dans le match qu'on va aimer. » Alors, c'est toujours... Moi, j'essaie de trouver qu'est-ce qui va être différent sur la carte. Si t'as déjà tous des gros costauds de 300 livres qui se battent et tout ça, OK, ben moi, je dois faire des autres voltiges. Si t'as vraiment des cruiserweights, t'as tout durant le show, OK, ben je vais peut-être mettre un peu plus d'humour ou quelque chose d'autre, juste pour se différencier sur la carte et qu'on n'est pas là pour gagner ou perdre, on est là pour faire des moments mémorables. Que la foule va se souvenir, ils ne vont pas dire « Ah, oh, je me souviens, lui a battu lui en 18 minutes. » Non, mais ils vont se souvenir que « Ah, souviens-tu quand Sexy Eddie a pogné le gars par le paquet, après ça, il l'a pitché. » Et là, c'est des choses comme ça, des niaiseries comme ça que le monde va se souvenir et que le monde va revenir. Le monde va revenir avec des amis et ça devient exponentiel que le monde peut continuer à venir. Si le show de A à Z est bon et le produit est bon et tout est bon, l'équipe est bon, je veux dire aussi le monde qui font le son, le monde... qui font les posters, qui font l'éclairage. Tout ça, c'est important pour faire le meilleur show possible, pour avoir le monde qui revienne et revienne. Et c'est ça, souvent, je vais dire aux promoteurs, c'est pas notre faute si tu as eu la salle n'est pas pleine. Nous, on est là pour que toi, tu fais le job de advertise. Toi, rentre le monde, fais rentrer le monde. Nous, on va les faire dire après le show, « Man, je dois revenir au prochain et je vais revenir au prochain. » C'est notre job à les garder, là. C'est ça, c'est un teamwork. Il y a tellement de joueurs qui font que pour faire une équipe gagnante. Et c'est ça qui prend dans n'importe quoi qu'on fait. Mais je donne l'exemple avec la lutte. C'est ça qui prend toute une équipe gagnante. Exact. Ouais, ton nom actuel, Sexy Eddie, c'est qui est derrière cette idée-là? Est-ce que c'est toi ou c'est genre les promoteurs de l'IWS? Non, c'était moi. Moi, j'ai dit, si je mets Sexy avant mon nom, ben, je vais poigner. Toutes les filles vont être après moi. C'est pas comme j'ai voulu au début, mais parce que comme je dis souvent aussi, Sexy, c'est pas juste un nom, ça devient la confiance et tout ça. Et on a tout du sexy dans nous. On a juste à le faire sortir. Ouais, le faire développer, ouais. Ça prend un petit peu de motivation et tout, mais et c'est ça, quand j'ai eu assez de confiance et quand je connaissais un peu plus la lutte, quand j'étais on fonce, on fait plus, c'est là que ça a donné, je trouve, une énergie. Et là, il y a une couple de filles qui sont attirées à moi et tout ça, et bien là, ça commençait à rouler la balle. Mais moi, j'ai dit, tu mets Sexy en avant de ton nom. J'ai vu les télévisions de lutte, là. Il y a tellement de fans qui crient et tout ça. Alors, je vais faire la même chose et ouais, c'est ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça prend du travail. Alors, de travailler et de se mieux connaître. Le plus qu'on est confortable à ce qu'on fait, et même lutter en bobette, déjà là, ça prend un confort. Ça prend du courage, moi, c'est sûr. Exact, ça prend du courage. Alors, ça, c'était une étape. Et après ça, de dépasser ça, de bien lutter, de tout faire un spectacle complet. Comme maintenant, tu ne vas pas voir un concert avec juste un gars qui joue une guitare. Des fois, c'est rare. Et là, maintenant... Pour payer les gros billets comme, je sais pas, pour les concerts de Madonna ou de je sais pas, des Rolling Stones ou n'importe quoi. Ils ont des gros vidéos, ils ont des feux d'artifice. Tu regardes Metallica, des fois, ils ont des danseurs sur des poteaux dans certaines bandes. C'est tout un spectacle et ça prend, t'as besoin de exciter toutes nos émotions. Pas juste les yeux, mais avoir, tu sens la chaleur quand Undertaker sort, là. Tu sens comme une froideur. Il y a des trucs à faire, des choses pour qu'on a toutes nos sensations actives. Exactly. Et c'est ça qui rend les shows, les spectacles de lutte ou de n'importe quoi, c'est plus mémorable. En parlant de shows, on a parlé de shows, on a parlé de lutte, on a parlé aussi de voyage, puis on a parlé aussi de sang. Dans le fond, ouais, c'est ça. Peux-tu nous partager ton expérience du Tournament of the Dead, la CZW, ce qui a vraiment fait comme exploser, à mon avis, tu sais, le Sexy Eddie? Parce qu'il l'a mis sur la map. Oui, vraiment. Ben, ça l'a fait. Déjà, j'étais comme quand même connu au Québec, à Ontario, et là, ça commençait un peu au Canada, mais il y avait un petit buzz d'une couple de lutteurs aux États-Unis. Et là, ils voulaient nous donner une chance. Alors, on était quatre à descendre. Et encore un accident qui est devenu
comme une bénédiction, on va dire. Comme ça, ça a été une bonne chose pour moi. Alors, tu luttes avec des néons, là, c'est sûr que tu te blesses. OK, Tournament of Death, c'est pas comme un hardcore match. C'est pas juste table, chaise, échelle. Un death match, pour les fans qui savent moins, c'est du sang garanti. Ça veut dire la vitre, des punaises, barbelés, des fois du feu et toutes ces choses-là. Alors, c'est comme le sang est garanti. Même si tu veux pas, tu vas tomber sur des choses, ça va te couper un peu. Alors, ça prend un autre niveau de fou. Mais déjà, là, tous les lutteurs sont déjà fous. Mais là, ça prend un autre niveau de « Oh, OK, il y a quelque chose qui manque, une coupe de vis qui manque dans ta tête. » Alors, c'est ça, un accident est arrivé, mais la vitre, au lieu juste de couper la peau et un peu de sang, ça a rentré dans un artère, ça a causé un pissement de sang. Chaque fois que je faisais mon point, ça faisait aller plus haut le pissement de sang. Alors, j'ai dit « je vais faire comme une fontaine d'eau. » Et ils ont eu un excellent... camera work, où il y avait du blanc, le blanc du ciel, et comme c'était un événement dehors durant l'été, ouais. Et tu vois le sang qui monte, qui va dans ma bouche, et c'est ce moment-là que moi, je savais pas que tout le monde était comme « tu as entendu ça? » Tu as fait parler. Alors, c'est ça qui m'a eu beaucoup de booking. Et j'ai pas juste fait des matchs de sang, mais au début, c'était ça, c'était des matchs hardcore, des choses qu'ils voulaient. Parce que c'est les fans qui ont vu ça, qui ont trippé, qui voulaient que je sois booké. Les fans qui aiment juste la lutte traditionnelle, c'est comme, non, on ne touche pas, non, c'est dégueulasse. So, j'ai eu la chance de promener assez vite après ça. Mais comme j'ai dit, il y a un autre événement, d'autres choses qui se passent, et ton étoile brillante, ça descend, il y a d'autres étoiles qui vont te dépasser. Mais encore, on va dans le futur des années plus tard, et... continue de faire des choses. Des fois, j'ai fait des choses plus humoristiques. J'ai pensé dans ma tête, des matchs avec du sang, c'est dur à en faire à tous les soirs. Mais des matchs avec la comédie, la bonne comédie, ça, il n'y en a pas tant que de ça. Alors, j'ai dit, il n'y a pas beaucoup non plus de lutteur death match qui a été un peu dans l'humour. Ou qui peut, et aussi que je peux passer, retourner à l'humour, ouais, à refaire des death matchs. Alors, c'est ça que ça a pris et c'est ça qui m'a apporté au Japon. Moi, j'étais toujours, quand j'étais jeune, j'ai dit, ça va me prendre beaucoup de sang si je veux aller au Japon. Mais ils m'ont voulu parce qu'ils ont vu des choses que j'ai faites drôles et les passes uniques que je faisais. Et la seule façon pour voir si tes passes vont être bonnes, c'est que tu as besoin d'une une foule. Donc, j'en faisais, j'en profitais de pratiquer des choses et des fois voir est-ce que ça passe. Ça marche moins. J'ai pas eu une bonne réaction. Alors, je vais essayer d'autres choses. J'avais une liste avec des fois, tu dors et tu te réveilles le milieu de la nuit. Hey, j'ai une idée de lutte. Je l'écris, je le prends en note et tu vas le faire la semaine après et voir est-ce que le public aime ça. Ils ont pas aimé ça. Et alors, tu fais des plus gros arénas, des plus grandes places et là, tu as plus de yeux qui te regardent et tu impressionnes ce monde-là avec tes idées cocasses. Et c'est ça, j'en ai eu plein. Plus avec mon personnage, je pouvais comme pousser la limite dans des bars où c'est 18 ans et plus. Alors, OK, sexy Eddie, je peux monter le niveau de sexe. On peut avoir une fille qui enlève son top, tout ça. Et c'est ça des moments mémorables. J'ai pas pris un bump, mais le monde a vu des seins. Alors, non, c'est la fête. Tout le monde est soif. Ils veulent boire plus. C'est rock and roll, ça. Oui, Eddie, que ce soit genre, mettons, la WWE, la AEW, TNA ou Impact aujourd'hui, ouais. MLW, ROH, ECW de l'époque, WCW, as-tu fait des try-outs dans ces fédérations-là? Non, pas du tout. Il me manquait de confiance. Okay. J'avais eu une fois, j'ai eu la chance, Kevin Owens, il était déjà à Ring of Honor, il a parlé pour moi. Pour un. C'était un show qui s'appelait Do or Die. Ça, c'est dans le temps avant que AEW a acheté Ring of Honor. Oh, ça peut nous faire longtemps. C'est et ça. J'ai eu un bon moment que je travaillais avec les Alouettes. J'ai eu un bon moment pour voyager sur. Et aider des jeunes à apprendre le jeu de football.
et ils n'ont jamais vu de mascotte. Et j'étais là pour une longue fin de semaine. On était là, je pense, 4 jours même. On a eu l'avion, c'était à Mistissini. Alors, c'est dans une réserve indienne et on a montré des jeunes comment jouer du football. So, Kevin m'avait dit, « Hey, une couple de jours avant, j'ai une chance pour Ring of Honor pour toi, Do or Die Show. Ça peut-être va être un dark match, quelque chose. » C'était pas garanti. On descendait à nos propres frais. Moi, j'étais comme, « Écoute, j'ai une bonne chose qui se passe maintenant. » Et c'était plus enrichissant pour moi. Comme j'ai dit, je faisais la mascotte des Alouettes. Et là, il y avait des joueurs qui étaient là pour montrer les jeunes comment jouer le jeu de football. Il y avait une couple de cheerleaders qui ont descendu pour montrer les filles des cheers, des chorégraphies. Et ils n'ont jamais vu de mascotte. Alors, pour moi, c'était comme, wow! Et tu vois les yeux qui s'ouvrent comme, ils sont pas sûrs, ils sont peur ou quoi. Ils n'ont jamais vu une mascotte en vraie vie. Alors, pour moi, ça, c'était 100 000 fois plus enrichissante à faire. Et j'ai appris plus de moi-même et j'ai appris aussi plus, je vais dire, si on fait un segue à faire mes sauces piquantes, sexy sauces, ça m'a donné plus un goût de faire des choses pour faire sourire le monde. So, ma lutte a changé un petit peu plus aussi, où j'ai dit, hey, au lieu des moves casse-cou, si on peut faire rire le monde, impliquer le monde, ou faire des choses pour la communauté, ça, j'ai trouvé ça que si tout le monde faisait un petit quelque chose, ça pourrait changer, ça change le monde. Alors, c'est ça, c'était une des choses qui ont allumé dans ma tête et j'étais comme, wow, un spectacle de lutte où on peut lutter peut-être pour 5 minutes et ou 3 minutes et ils te font perdre. Tu t'en vas là pour 8 heures de chauffer et tout. Ici, j'avais l'avion et on a appris, comme j'ai dit, beaucoup de nous-mêmes. Alors, qui lead à vraiment à mes sauces piquantes parce que c'était une autre idée que j'ai dit, hey, j'ai 45 ans. J'ai vendu plein de t-shirts, on vend des casquettes, les lutteurs vendent des stickers, mais qu'est-ce que je peux vendre de unique? Quelque chose qui est abordable, quelque chose que le monde va aimer et qui est différent. Et comment qu'on peut aider un peu la communauté? J'ai déjà ma job à temps plein, j'ai une pension et tout. La lutte, c'est comme le cerise sur le sundae, mais je voulais faire quelque chose de plus. Et quand même, je dis, j'aime ça de faire sourire le monde dans le ring, quand je suis dans le ring, mais à l'extérieur du ring, d'avoir... alors, pour ça, on a fait 2 saveurs de sauce. Et yes. On a fait notre 3e batch. On a vendu 196 bouteilles. Wow. plus ou moins deux, exemple. Wow. Et tous nos profits, 100% de nos profits ont été à des fondations. Les dépenses, c'est les bouteilles, les étiquettes et les ingrédients. Mais on met notre temps. Moi, je coupe les légumes. Je ne suis pas juste la belle face sur la bouteille. Je coupe les légumes. On aide, j'aide dans la cuisine. Le chef, il dit combien de mettre ça. C'est toute une journée pour faire à peu près une 66 bouteilles. Et après ça, c'est de faire le hustle et parler au monde et tout. Et ça se vend comme ça. Et une fois qu'on est, on a couvert nos coûts, le 100%, ça va au profit. Alors, après, on a fait notre première 500$. On a donné une fondation sur Main Machine, qui est vraiment proche de chez nous. On a dit, on va commencer ça local. Et quand on a donné le chèque, c'était tellement un bon feeling qu'on a adoré ça. Et on a dit, le monde en veut encore. Le monde en veut. On n'a même pas fait notre 3e batch. Le monde veut. On a fait notre 3e batch. Et là, on donne à une association qui est quand même pas loin de Montréal. C'est dans le Pointe-Claire. Mais c'est pas loin. C'est une fondation qui trouve des jobs pour des adultes handicapés intellectuels ou même physiques et leur trouve des placements où ils peuvent travailler. Alors, c'est ça. Moi, je trouvais ça, c'était important. Ma sœur était en chaise roulante toute sa vie jusqu'à ses 30 ans. J'avais 28 ans quand elle est décédée. Là, j'ai 45. Alors, ça fait un bout de temps, mais ça fait... C'est comme ça vient full circle. J'ai redonné à quelque chose, même si c'est pas un gros montant, mais c'est un 500$. Quand on a 500$, on trouve une autre charité, on donne. Mais ça vient du cœur. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais tu m'as même devancé parce que j'avais une question justement à propos de ça, mais tu as répondu à la question
Fait que tu sais, en gros... un monde sauce. Ben oui, c'est ça. Moi, je les ai achetés. Il y en a deux sortes, en fait. Il y a la... il y a la jerk et il y a la... gingembre. Oui, c'est ça. Gingembre, c'est ça. Ouais. Personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup la jerk. Good, good. Honnêtement, elle est... Ouais, piquante en calvose, c'est incroyable. Puis moi, j'adore manger épicé. Puis quand, en sachant que ça va à une belle œuvre de charité, ben je vous invite de toute façon, quand on va partager la vidéo, on mettra le lien pour rejoindre Eddie si jamais vous voulez essayer ces sexy sauce. C'est 10$, hein, c'est ça? Yes, c'est 10$ et puis ça va à une super de belle cause. C'est vraiment nice là, que tu aies pensé à ça. Puis je trouve, tu sais, quand je pense à Eddie, je pense à innovation, puis innovation jusque dans des produits, tu sais. Tu sais, on en parlait il y a un mois ensemble, tu sais, puis justement, Mad Dog disait « Wow, c'est comme la première fois que je vois ça, puis c'est comme... C'est ça, tu sais. Ça, innovation rime avec Eddie, tu sais, autant dans les moves, dans la pensée, dans le marketing, honnêtement, je trouve ça vraiment cool. En tant qu'être humain aussi. Ben oui, c'est ça. Il est vraiment... J'espère aussi que juste cette idée-là, que peut-être ça va aussi donner l'idée à d'autres personnes. Hey, il n'y a pas juste des t-shirts et des casquettes. Hey, on peut faire quelque chose d'autre, parce que enfin, les lutteurs vont gagner à avoir du stock vendu. Les fans vont gagner à avoir plus de choses, de choix, pas juste des chandails. Alors, tout le monde gagne. Je trouve que si la communauté peut gagner un petit peu quelque chose aussi. J'ai fait tellement de péchés dans ma vie, là, je te dis. C'était comme, j'ai besoin de faire quelque chose de bon si j'ai une chance à aller en haut, là. Mais même à ça, si je suis en enfer, je vais au moins être un des boss à l'enfer. Ça, c'est ça. Je veux dire, c'est un trou de cul, mais c'est un gentil trou de cul. Un gentil trou de cul. Et à tout le monde, il y a une recette, il y a un ingrédient secret qui n'est pas sur la bouteille, mais je peux dire, dans chaque bouteille, il y a un peu de mon amour. Alors, De l'amour dédié, encore. C'est peut-être ça vient du cœur, peut-être ça vient d'autres choses. Ah non, c'est ça, bien non. Non. Il y a des petits bouts de blé. Genèse, tout est bon là-dedans. Et vraiment, il n'y a pas de préservatif. C'est tout les légumes, les ingrédients, tout ce qu'on met, c'est comme ça. C'est un projet cool. Chaque fois qu'on a à le faire, ouais, on se roule les manches, on a 8 heures de travail à faire. Oui, mais après ça, quand tu vois toutes les bouteilles comme des soldats dans une armée, tout sur la table, là, on est comme « Wow, cool, OK ». Alors, et après ça, c'est d'aller vendre et à trouver le monde et à rencontrer à des shows de lutte. Et c'est ça, ça fait parler, c'est le fun. Mais là, quand tu dis pas de préservatif, c'est-tu comme la capote Elvis Graton dans le pot de moutarde d'Elvis Graton 2? Quand tu te dors, mais tu sais. Dis pas de préservatif, moi, là. ouais, peut-être. Est-ce que le mot traduit en anglais-français? Ouais, exact. Alors, ouais, c'est ça. Mais comme moi, il n'y a pas de préservatif. Moi, j'ai juste appris c'était quoi une capote il y a l'année passée. Alors, et je suis encore vivant. Alors, moi, je pense que j'ai le remède dans mon sang pour la COVID. Peut-être c'est ça aussi. Ça t'immunise de prendre de la sauce piquante, peut-être. Et ça fait déjà presque 40 minutes. Mais tellement généreux, Eddie. C'est toujours le fun de jaser avec toi, de découvrir, d'avoir passé du temps à pouvoir, chers amateurs, vous présenter cette personne-là qui est exceptionnelle, honnêtement. Moi, j'ai jamais rien à dire de mal avec Eddie. C'est le lutteur préféré à ma fille, en plus. Puis, tu sais, il est proche de son monde, puis tout. Puis, juste en terminant, comme d'habitude, Ben, a.k.a. Nostradabin, essaie de prédire l'avenir de nos invités. Ouais. La parole est à toi, mon ami. Ouais, ben tout d'abord, ben merci Eddie. Ça a été un plaisir de te connaître davantage. Je dis ça à tous les invités. Mais là, quand tu dis la troisième batch, t'es-tu en train de dire qu'il va y avoir une troisième sauce? On a fait des batchs. Alors, le troisième batch est fait. Et là, on va faire la quatrième bientôt. Mais c'est ça. Il va avoir... Mon chef, il parle de ça déjà parce que ça roule tellement bien. Il va... Il touche avec des idées pour une troisième saveur. Et c'est ça, c'est à venir. Mais
On a besoin de garder ça aussi pour monsieur et madame tout le monde. Ouais, pas, ah oui, ben pas oui. Tout le monde a la même palette que non, Joe, non. Là, avec il aime ça piquant, j'ai dit. Non, ouais, moi, je peux le prendre à la gorge. Mais c'est ça. Alors, on doit faire ça pour un peu plus pour tout le monde. Mais c'est ça, la troisième saveur, je ne peux pas dire ça va être plus piquant ou moins piquant, mais on joue avec des goûts et tout, et peut-être ça va être prête pour les fêtes. On ne sait pas. On check ça. Oui, parce que c'est ça, je voulais te prédire, mais la soeur, tu me dis que tu as d'autres batchs. Mais je vais te prédire que tu vas sortir d'autres produits, par exemple, éventuellement. Ouais. Que ce soit des boires protéinés, des protéines, ou même une boisson énergisante, Eddie, ça serait bon. Là. Hey, wow, ouais, ça, ah, c'est une bonne idée, ouais. Ben, je buvais beaucoup de Four Loko, il était assez énergisant, la première, mais après ça, la deuxième canette, tu tombes et tu te retrouves à ta tête dans le bol de toilette. Alors, c'est énergisante. C'est comme un « ouh » et un « bow ». Ouais, c'est souvent ce qui arrive. Parce que c'est ça, je parlais de ça à jour hier. Tu sais, du Power Raid, mettons le Power Raid D. Power Raid D. Nice, ouais. C'est quelque chose du genre. Nice. It's all about the marketing. Ah, exactement. Yes. Alors, ben, c'est ici que se termine notre émission avec The Sex Express Sexy Eddie. Merci beaucoup, Eddie. Yes. Yes. C'est vraiment cool. Je suis content, on a fini par faire ça, l'entrevue, finalement. Ah oui. Et c'est ça, pour tout le monde, si je suis à un spectacle, un show de lutte, viens me voir, viens me dire allô. Même si tu veux rien acheter, viens nous parler. Les lutteurs adorent ça, c'est l'appréciation qu'on aime. Et je peux te dire aussi, inquiétez-vous pas, moi je bois beaucoup, alors j'ai pas de problème à accepter une bière, alors... Viens prendre une bière avec Sexy, elle est avec mon oncle Sexy. Okay? Allez, merci beaucoup. Merci. Merci les gars. Ciao.